Salut tout le monde et bienvenue sur The Fashion Trusty, le syndicat de la mode. Donc aujourd'hui on revient avec une nouvelle vidéo. Oui, une vidéo haul spéciale Shein. Voilà, donc Shein c'est un site chinois, donc on adore aller sur ce site. Donc on a fait des petites trouvailles sympatoches et on avait vraiment envie de vous en faire profiter. Donc il fait super chaud ici à Paris, donc on a nos petits éventails, donc ils vont nous servir tout le long de la vidéo. Oui. Donc on va commencer d'abord par les accessoires. Accessoires, oui. Voilà, donc moi je vous présente ce petit sac. Voilà, un petit sac tout fruité. Ouais, merci. Un petit sac tout d'assistante éventail. Tout fruité là, donc c'est une petite tranche de citron. Alors il est vraiment sympa, il est vraiment mignon, c'est vraiment bien pour cette saison. Mmh. La tendance tutti frutti. Voilà, tutti frutti, ça donne envie, bah, ça rafraîchit en fait. Ouais, voilà, le citron. Donc voilà, donc ce petit sac, c'est pas du cuir, hein. Ouais. On a précisé, c'est un site chinois. Là, en même temps, voilà, il a coûté 11 euros, donc franchement, c'est pas cher pour ce petit sac là. Et j'enchaîne encore avec un autre sac, il est vraiment super sympa. C'est la grande tendance du moment, c'est les sacs en paille. En paille, en raffia, en osier, tout ça. Mm. Alors, vous voyez là, il y a les petits raisins. C'est des cerises. Ah mince. Donc, des cerises. C'est des cerises. C'est la chaleur. Voilà, c'est ça. Alors, des petites cerises. Ouais. Mon cerveau, il a besoin d'être ventilé. Donc, des petites cerises. Le sac est vraiment sympa à l'intérieur. Super mignon. C'est quadrillé, c'est en Vichy. Vichy, alors vraiment du mal. C'est en Vichy. La qualité, c'est pas non plus. Voilà, en même temps, c'est quand même un site chinois. Mais on a essayé de choisir les meilleures pièces, celles qui nous semblaient tendance et qui tenaient bien, quoi. Donc il va tenir, tiendra ce qui tiendra. Donc une saison, deux saisons. Celui-là, il a coûté 11 euros. Franchement, il fait bien la blague. Et pour enchaîner, voilà, un autre petit sac. C'est le même un peu, non? C'est le même un petit peu, mais celui-ci, il a des cœurs. Voilà. Super mignon, donc moi j'ai eu un coup de cœur pour ce petit sac, donc vous l'avez vu, super sympa. Donc pareil, on est sur la tendance paille. Non, j'ai juste mis un bouquin histoire qu'il soit un peu rempli, tu vois. C'est juste ça. C'est quoi? Glamour style. Voilà. Donc j'avais mis, voilà, on peut mettre plein de choses. On peut mettre quand même pas mal de choses, donc un petit magazine, et le puis portable, voilà, le téléphone. Donc on peut mettre quand même pas mal de choses, et pareil, donc pile poil dans la tendance, super mignon, super sympa. Donc 11 euros aussi, hein, voilà, 11,32 € pour être précise. On enchaîne avec les t-shirts. Et là, ce super petit t-shirt, toujours dans la tendance tutti frutti. Là, c'est les fraises, ça donne envie de les manger, c'est super estival. Je le trouvais vraiment super mignon. Alors, je sais pas si vous avez vu les détails, là, il est un peu élimé, donc ça donne un petit, voilà, côté, y a un petit côté un petit peu destroy au niveau du t-shirt, donc ça le rend moins, entre guillemets, girly. Moi, je trouvais que la matière, elle était vraiment pas mal. Donc, petit t-shirt, super sympa. Donc, moi aussi, je me suis acheté un t-shirt. C'est à peu près dans la même mouvance. Ouais. Donc, le petit t-shirt comme ceci. Donc là, par contre, voilà, c'est des bouches. Mmh. Donc c'est mon petit coup de cœur. Il est un peu plus lourd que le t-shirt que Nadège vous a montré tout à l'heure. Donc il est vraiment bien, il est sympa. Franchement, on est agréablement surprise par la qualité des matières. Donc ce petit t-shirt qui a coûté 8,20 €. Et le tien, t'as donné le prix d'avant ? Alors le t-shirt avec les petites fraises, donc celui-ci, il a coûté 7,29 €. 7,29 €, et en même temps on précise aussi par rapport aux tailles. Donc pour les t-shirts, on a pris du taille L. Ouais, parce que bon, faut pas oublier Shein, donc c'est un site chinois, et au niveau des tailles, ça taille quand même un peu petit. Donc nous, ce qu'on fait en général, c'est qu'on prend un peu plus grand. Donc souvent, pratiquement tous les articles qu'on a pris, souvent c'est du L, voire XL, XL pour certains. Donc comme il y avait aussi des premières commandes, donc on voulait pas non plus avoir retourné plein de trucs, donc on a vu assez large. Là maintenant, c'est un sweat bleu marine, et celui-ci, vraiment, je suis trotte. Non mais là, bon, en même temps, c'est chez nous.
J'avais même pas vu. Bon, en même temps, on est à la maison, on est tranquille, on en profite pour vous faire ce haul. Non mais il fait une chaleur de dingue et en plus on a les spots, on a tout le matos, donc franchement, si on fait ça, c'est vraiment parce qu'on vous aime. Hein. Donc là, on continue donc avec ce petit suite. Moi, je le trouve super sympa, vraiment super mignon. Moi, ce qui m'a fait craquer vraiment, c'est ce petit détail avec les glaces. Ça non, fait, il y en a qu'une. Oui, une glace. Donc avec ce petit, les trois petits pompons, et je le trouvais super adorable, super mignon. Et la couleur, elle est vraiment belle. Donc non, il est bien. Il est bien, hein. Franchement, super sympa. Donc par contre, pour la taille, je l'ai pris en taille XL. Hein. Il est plutôt bien coupé et la matière, elle est plutôt assez légère. Légère, mais elle tient bien. Donc ce petit sweat, je suis vraiment très agréablement surprise. Et il a coûté 8,49€. Franchement, c'est pas cher. Hein. Donc imaginez quand c'est les soldes. Là, dans deux jours, ça va être la folie. Je te donne. Alors, tiens, moi aussi je me suis acheté un petit sweat, une petite couleur bleu ciel, super sympa. Il fait très années 80, non années 90. Ouais, 90. Très années 90. Moi aussi je l'ai pris en XL. Hein. Ouais. Et il me va normal. De toute façon vous allez le voir avec les try-ons. Ouais. Donc ce sweat il a coûté 10,38€ précisément. Oui. Donc les prix sont très très carrés. Ouais. Donc au centime près. Donc 10,38€ franchement pour un petit sweat super sympa, on valide. Donc là on va vous montrer l'article coup de cœur. Tadam. Alors bon, comme ça, vous n'allez pas bien voir parce que là, ça fait un peu bizarre. Mais en ce moment, on a vu ça dans les magazines. C'est des robes transparentes en tulle. Voilà. Là, c'est un peu, c'est plus petit. Moi, je trouve ça nickel, super sympa, super sympa, super tendance, super stylé. Moi aussi, donc j'ai eu mon craquage. Donc, je vous assure, c'est pas les mêmes. Il y a quand même une coupe qui est différente. Mais c'est le même style. Hein, même style. On est sur du plus petit, voilà. Mais moi aussi, il me le fallait. Là, on part pas comme ça. T-shirt, jean, escarpin, basket. Mais ça se met par-dessus une tenue, en fait. Et c'est ça qui donne le style. L'effet aussi superposition avec de la transparence. Voilà, et ça, c'est vraiment super sympa. Coup de cœur sur le site Shein. Ouais, et pas cher en plus. Oui, au niveau de ces petites robes à dentelle, donc là, elles nous ont coûté 12,76€. Ouais. Et la mienne, elle m'a coûté 11,80€. 12,76€ et 11,80€. Franchement, pas cher. Du prix vraiment mini, mais un style maxi. C'est le slogan du jeu. Là, on va vous présenter des robes. Les robes. Donc ça, c'était aussi mon petit craquage. Donc cette petite robe, maxi robe imprimée oiseau, portefeuille, elle arrive jusqu'en bas. Super belle couleur, c'est bien, c'est frais pour cet été. C'est super féminin, ouais. La taille elle est marquée, c'est pas cher en plus, 19,41€. Oui, c'est super important. C'est important, elle est au top et en plus ça va super bien avec mon teint. Non, franchement, et à la caméra le bleu il rend bien, hein. Il rend super bien. Donc ouais, franchement, nickel chrome. Et moi pour le coup c'est aussi une petite robe, mais là Vichy. Ça revient vachement en ce moment et je la trouvais super mignonne. Là, on a des découpes, une petite bretelle ici, le petit boutonnage et en plus, elle est marquée à la taille et puis ça donne cet effet qui virevolte. Ça fait vraiment oui. Belle des Champs en fait. Voilà, et ça fait vraiment un côté Bardot, voilà, un côté Bardot, rétro. Rétro. Et en plus, il y a la petite ceinture qui est fournie avec pour cintrer à la taille. J'ai pris une taille M et pour le prix, ça a coûté 20€. Je ne vous ai pas précisé aussi pour la taille au niveau de cette robe. Donc j'ai pris une taille M et pour les robes en tulle, on a pris L par contre. Notre robe est là, une robe effet tablier, rayée avec des super découpes. Dans le dos, c'est croisé, pire-voltante. Je la trouve super sympa, super féminine. Je la trouve parfaite pour l'été. Une nouvelle robe, c'est super mignonne, super sympa. Elle a un imprimé rayé blanc et bleu. Elle a des poches sur le côté.
C'est super féminin avec des petits froufrous tout autour de la poitrine. Toujours les rayures, super tendance, le classique revisité. En ce moment, on a la folie des rayures. Donc là, toujours pareil avec ces petits patchs, ces petites broderies. Donc là, au niveau de la chemise, on est vraiment sur la chemise du moment. Vous mettez ça avec un petit jean, des petits escarpins ou des petites sandales. Franchement, vous avez une allure, mais au top. Donc la chemise, elle a coûté 17,92€ et je l'ai pris en taille L. Continue avec cette petite chemise rayée avec cette petite couleur bleu layette. On est vraiment à fond dans la rayure. Ça fait penser un petit peu à un haut de pyjama, ouais. Un haut voilà, pour aller dormir, là j'ai l'impression que je vais aller dormir là, mais moi je trouve ça super stylé, super tendance, et en plus là ce que j'aime bien c'est ce détail, ouais. La manche elle est ultra longue, et vous avez cette petite bande blanche comme ça, c'est ouvert comme ça sur le côté, moi je trouve que c'est hyper stylé, petite jean, la petite paire de sandalettes et c'est nickel. Moi franchement cette chemise, je l'adore, je la surkiffe. Elle est super et en plus elle n'a pas coûté cher, oui. 20,75€. À 75 centimes c'est très précis. Donc 20,75€ et du coup moi je l'ai pris en taille L. Hein. Donc elle taille bien, hein. Moi je voulais donner un petit côté oversize, donc c'est parfait. On valide. Donc on enchaîne avec cette autre chemise. Donc on vous l'a dit, hein, c'est la folie des rayures. Les rayures. Donc là on est plus sur une coupe tunique. Ouais, tunique. Et donc voilà, il y a cet effet aussi un peu pyjama. Et pareil, on a aussi cet effet de grande bande blanche avec des super petits boutons dorés. Donc ça donne un côté super chic, super classe. Et là, on est toujours dans la tendance avec les petites broderies. Donc là, c'était vraiment sympa parce qu'il y a un effet paillettes. C'est super mignon, super matière aussi. On est sur un beau coton. Donc là, on est à fond dans l'été. On est avec son petit jean, ses espadrilles, ouais. En terrasse, avec son petit verre de rosé. Ah là, franchement, on est stylé. Stylé, la vie est belle quand il fait beau. Terminer une petite liquette encore, la petite liquette blanche brodée, donc le classique revisité, comme d'habitude, hein, super sympa, super tendance, petite liquette blanche avec des broderies sur le devant, c'est l'indispensable, pour nous l'indispensable c'est vraiment les chemises, ouais. C'est le basique à avoir, la liquette elle a coûté 6,60€, donc c'est vraiment pas cher, et je l'ai pris en taille M, donc je voulais une taille L mais ils m'ont pas donné la taille L, donc c'est pas grave, mais elle me va quand même, faire vraiment gaffe aux tailles, ouais. Parce que sur ce site, ouais, faut vraiment faire attention et avoir un petit peu le coup d'œil. Justement pour un peu déceler les matières, déceler les coupes, déceler les tailles, mais en règle générale, il vaut mieux prendre une taille au-dessus. Ce haul est terminé, donc on espère qu'on a pu vous donner des idées pour les soldes. Donc nous, en tout cas, Shein, c'est un de nos sites favoris pour acheter des fringues moins chères. Ouais, c'est vraiment pas cher, et pour les soldes, franchement, je pense que les prix vont vraiment diminuer, donc profitez-en. Oui, il faut en profiter, donc... Pour toutes les références, tout ce qu'on vous a montré, donc on vous mettra toute la description dans la barre d'infos. Ouais. N'hésitez pas à nous laisser vos commentaires, dites-nous quel est votre article préféré et surtout si ça vous a donné envie d'aller sur Shein. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore le cas et surtout laissez-nous un petit pouce bleu pour nous encourager. On se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao, ciao.